l'environnement joue un rôle prépondérant dans la vie socio-économique de plusieurs pays en développement. L'importance du coton est très visible dans plusieurs économies africaines. Toutefois, de nombreux pays africains producteurs de coton font face à de nombreux défis tels que la mauvaise réputation, la faible valeur marchande et des réductions de prix du coton. En raison d'un faible contrôle de qualité, d'un manque de système de suivi et d'assurance de la qualité, entraînant un haut niveau de contamination de leur coton. Afin de faire face à ces problèmes et défis majeurs liés au commerce, le Centre du commerce international, ou ITC, avec le financement de l'Union européenne, a lancé un partenariat entre l'Afrique et l'Asie. Cette initiative a pour objectif d'aider les principaux acteurs de l'industrie du coton, cultivateurs, égreneurs et filateurs, à mieux comprendre les questions d'intérêt mutuel et établir une collaboration à long terme. Acteur majeur de ce partenariat, Square Textiles Limited est une entreprise de filature de premier plan au Bangladesh qui s'est associée à l'ITC pour travailler avec des producteurs et exportateurs de coton africain. Square Textiles utilise à la fois du coton récolté à la machine et cueilli à la main. Le coton récolté mécaniquement provient généralement des États-Unis et de l'Australie, tandis que le coton cueilli à la main est importé d'Inde, des pays de l'ancienne Union soviétique et des pays africains. Le coton cueilli à la main est de meilleure qualité que celui récolté à la machine, puisqu'il conserve la qualité intrinsèque de la fibre. Square Textiles utilise de grandes quantités de coton africain pour ses filatures et par conséquent est intéressé pour collaborer avec des producteurs, égreneurs, exportateurs et négociants de coton africain afin d'assurer l'approvisionnement en coton de qualité. Malheureusement, de nombreux filateurs qui importent et utilisent du coton récolté à la main se plaignent souvent de la contamination qui porte atteinte à la qualité des produits qui en dérivent, c'est-à-dire les fils de coton, mais aussi le tissu et les vêtements. Les dirigeants de Square Textiles sont convaincus que le problème de contamination à la source peut être endigué à travers cette coopération avec les producteurs et égreneurs de coton africains. We have been using African cotton in our spinning process for about 15 years. The cotton we are buying mainly from European traders, not directly from the African cotton farmers or the ginners. European traders or merchants, they buy that cotton and supply that to us. There are some problems very common, which is number one, contamination. This is foreign fiber and polypropylene contamination. And also we find mixed packed bales. In the same bale, many different color grades are baled together, which drastically reduces the value of the cotton, the spinning value of the cotton. And ultimately in our spinning process we have to add around 3 cents per pound just to segregate the contamination. We believe there is a ample scope to improve, because other hand-picked countries like India, Central Asia, even some African countries already put some effort and improved and got better results. Flux et système de production de Square Textiles. Square Textiles a mis en place des unités de textile de pointe pour traiter le coton brut qui suivent les technologies de filature standard. Ce sont les métiers à filer à anneaux, fils de coton cardé et peigné, et les machines à filer à rotor. Néanmoins, parmi toutes ces technologies de production, il existe certains procédés courants à suivre pour la mise en forme des filaments. Manufacture yarn in two spinning process. One is open-end spinning process and another is ring spinning process. In case of open-end spinning process, at first we select the raw materials. Then we open the bales and segregate contamination from bales. Then we rebuild the materials, and these materials are then feed in the uniflow machine, lay down, and in lay down also we segregate contamination. In the blow room, we use
Uniflock machines, Unimix machines, Uniclean machines and fine cleaner machines. In Blorom we have another process also, that is Ambu line. In that line we use stack mixing. Then this in Blorom machines we segregate contamination from contamination sorter and metal detector. These materials are contaminations are segregated from these materials and reuse these materials. Then the materials are transferred in the carding section. We get card sliver in the carding section. These card slivers are fed in the breaker drain. 6 doubling is used in the breaker drain. Then these breaker drain slivers are fed in the finisher drain. 6 doubling also used here. And finisher drain sliver is fed in the autochrome machines. In autochrome machines, we get autochrome yarn. These yarns are transferred in the heat set machine for conditioning. After conditioning, these yarns are packed into 50 kg bags. This is the open end spinning process. And the ring spinning process, same as open end spinning process. But in between breaker drawing and finisher drawing, we add another two process. One is unilap and another is combar, with a view to remove short fibers from the sliver. After finisher drawing, the materials are fed in the simplex machines where roving is produced. These rovings are fed in the ring machines where yarn is manufactured. We produce two types of yarn. One is normal yarn and another is fancy yarn. In case of normal yarn, we produce hoosier yarn and oven yarn, also denim yarn. In case of fancy yarn, we produce slab yarn, siru yarn, injected yarn, and core yarn. These yarns are transferred in the winding section and make cone. These cone are feed in the transferred in the heat set machines for conditioning. After conditioning, these cones are packed into 50 kg bag. This is the spinning process in our factory. Identification de la contamination. Lors du procédé de filature, les mesures adéquates sont prises pour s'assurer qu'il n'y a pas de tache d'impureté sur le coton brut. Square Textiles a mis en place un système de contrôle de la qualité et de suivi complet afin de retracer et d'éliminer tout risque de contamination aux différents stades de production de fil. Most of the African origin cottons having contaminations. So from those contaminations, major one is polypropylene. And these polypropylenes are coming with cotton in different types. One is some intact polypropylene and some polypropylenes are coming in fibrous form. So these fibrous polypropylene contaminations very difficult to sorting out from the cotton, especially a white color polypropylene. So in this case cotton we have three segregation stages. One is manual sorting, number two is cotton sorter machine in blow room, and number three is yarn clearer in winding. So in manual sorting stage, we normally in some origin of African cottons, we need to use two stages. First stage, we use two lever per bale, and second stage, one lever per bale, because of intensity of the contamination. So then we use cotton sorter in blow room, and machine having some limitations, so some contamination after cotton sorter going through the process, and then we use contamination for contamination clearing devices in winding machine. There also some limitations, so in all stages some limitations are there. That's why some contaminations
going through the yarn, and finally it appears in the fabric. Square Textiles, depuis sa création en 1997, a également étudié méticuleusement la nature, la source et le flux de contamination du coton aux différents stades de sa transformation. Les principaux résultats montrent que la contamination commence lors des activités dans les champs et est déterminée par les conditions dans lesquelles le coton est récolté, rassemblé, emballé, emmagasiné, chargé et transporté. Une autre source majeure de contamination peut se situer au niveau de l'usine d'égrenage, son environnement de travail et le niveau de conscience écologique de ses employés. L'étude établit une liste complète de substances impures qui se glissent dans les balles de coton. En bref, les études listent les types de corps étrangers les plus communs suivants. Morceaux de polypropylène, fil teint et fil brut blanc, cheveux humains, poils d'animaux, plumes d'oiseaux, fil de jute et cordes, longs morceaux d'écorce, emballage de menthe et papier, fil de plastique, morceaux de bambou provenant des paniers, câbles, fils métalliques, noix, boulons, métal et PVC, morceaux de tissu et fibres de couleur, emballage de chocolat, biscuits et pickles, tabac, cigarettes et shampoings, feuilles, graines, téguments de graines, déchets environnementaux, etc. We found these contaminations in three wells of African cotton. So here we found some black, yellow, blue and white color polypropylene contamination, and some pieces of color, different color fabrics, and some human hair, some other contaminations, and some Haitian rope, and etc. Couverture et emballage de balles recommandés. En comparaison aux autres emballages de balles utilisés, celui en tissu coton est le plus recommandé. Dans le cas du Bangladesh, la plupart des filatures utilisent de préférence les emballages ci-après. 95% emballage en tissu coton avec des sangles en métal ou en plastique, 26% sacs de polyéthylène gras avec des sangles en métal ou en plastique, 11% toile de jute avec des bandes en acier, en plus d'autres matériaux impurs. Square Textiles a identifié les fibres non jetables de polypropylène et de polyéthylène comme étant les plus dangereux, car ils sont à l'origine de défauts non négligeables, non seulement sur les tissus en couleur, mais aussi sur les tissus blancs, ainsi que sur le procédé de filature lui-même s'ils ne sont pas détectés et éliminés du coton. Tout cela peut être attribué au manque de conscience écologique et sanitaire tout au long de la transformation de la fibre de coton. Au niveau de l'usine également, le manque de système de suivi et de supervision par rapport aux normes, ainsi qu'un procédé d'égrenage inapproprié et inefficace, peut également conduire à la rétention des impuretés dans les balles de coton. Problème de contamination. Un haut niveau de contamination du coton brut a de sévères conséquences financières pour les usines affilées, en plus de la perte de crédibilité sur le marché international. En d'autres termes, cela signifie que les filateurs doivent investir davantage dans la main-d'œuvre et l'amélioration des technologies utilisées pour éliminer toute forme d'impureté durant la transformation du coton brut en fil de coton. En dépit d'investissements importants dans des technologies de nettoyage et malgré l'embauche de centaines d'employés supplémentaires, aucune usine de filature ne peut garantir que tous les contaminants sont détectés et éliminés. We have to depend on visual inspection for identifying contamination. We have to open the cotton bales and inspect a bulk quantity to identify the contamination, the presence of contamination in the cotton. Cottons of different origin, especially African cotton, we face this contamination problem huge. For our case, we do consume 8 to 10% of African cotton
Actually, the contamination that present in the cotton bale, there is a easily passes through the spinning process to the yarn and up to the fabric and garments. And finally, the garments rejects for the presence of contamination. That's why the consumer wants contamination-free yarn for contamination-free fabric. Usually, contamination-free yarn can be ensured with the contamination-free cotton. And for this reason, the USA or Australian contamination-free cotton is in good demand. But still, we have to use other origin cotton for the availability and other intrinsic quality parameters. We are to use some contamination sorting equipment in the spinning blue room line. And naturally, this sort of contamination sorting equipment or the machines are costly. So this is additional cost involvement. The additional manpower, at the same time additional machinery, is a big cost involvement for the contaminated cotton. It is hardly possible to ensure contamination-free cotton even with this contamination sorter. So there is a chance of the presence of contamination in the yarn. We have to additionally use some contamination clearer in the winding section to clear the contamination from the yarn. That also a huge cost involvement in the spinning. So this all comes a big hassle, a disturbance in the production line, the production losses, increase of wastage, and decreased productivity in the spinning. But still, some contamination passes through the yarn and converts it into fabric and garments. Finally, the contaminated fabric goes for rejection. So that is the final financial compensation comes up. Un minuscule matériau impur dans le coton brut peut gâcher des centaines de milliers de mètres de tissu, entraînant l'annulation de commandes de la part des acheteurs et une perte colossale en termes d'investissement et de réputation pour la société. Des dommages sont également réclamés sous diverses formes. Coûts liés à l'emploi de personnel supplémentaire, risque d'incendie dans l'atelier d'ouverture et de battage, dû à la présence de particules de métal endommageant les fils métalliques des machines de l'atelier d'ouverture et de battage et des machines à carder. Découverte de polyblanc qu'aucune machine de détection ne peut détecter lors du procédé de filature. Qualité réduite du fil, car les machines ne peuvent pas détecter le polypropylène blanc qui reste dans le fil. Réduction de la productivité et de l'efficacité. Parfois, les filateurs doivent rembourser à leurs clients 3 à 5% de la valeur de la commande à exporter, rembourser 5 à 7% de la valeur de la lettre de crédit, remplacer le fil de coton utilisé dans les machines à tisser et à tricoter. Recommandation. Alors, que faut-il faire ? L'étude réalisée par Square Textiles recommande l'élimination de la contamination à la source, c'est-à-dire au niveau même des cotonculteurs, lors de la récolte, du rassemblement des piles de coton, de l'emballage, du chargement
et du transport vers les centres de collecte ou les usines d'égrenage. Les cueilleurs doivent être sensibilisés sur les effets néfastes et les dommages issus de la contamination, ainsi que sur la nécessité de mettre en place un système de récolte, d'emballage et d'entreposage propre et infaillible. Des précautions adéquates pour un environnement net et propre sont une obligation pour éviter toute contamination et atteindre la pureté absolue durant la transformation du coton brut et sa mise en balle. Square Textiles recommande que les cotonculteurs et les égreneurs collaborent plus étroitement afin de réduire le risque de contamination et assurer la pureté de la fibre de coton. Cela aidera les deux parties à augmenter le standard de la fibre ainsi que son prix. Square Textiles donne quelques conseils pratiques aux cotonculteurs, dont la plupart ne nécessitent aucune implication financière. Juste un peu d'attention et de précaution pour faire des miracles. We have found the farmers and the ginners use a huge quantity of polypropylene bag, even fertilizer bags, since those are available. But these polypropylene bags and the strings of polypropylene easily comes into the fresh cotton and contaminate it. And this sort of white polypropylene is very difficult to sort from cotton because it is of cotton color. Even the machine cannot detect it. So it is highly recommended not to bring the polypropylene bags in the ginning process, in the picking and ginnery house, during the transportation, even wrapping the bales. Besides this, during the processing in the machine, the oils and grease may contaminate the fresh cotton. Even the condition of the ginning house, that is the cleaning condition of the ginning house, to be ensured properly and with a strong supervision, they should maintain it. Nettoyer le champ avant la cueillette, ne pas utiliser des sacs de polypropylène dans les champs de coton, utiliser des sacs de coton blanc pour la récolte, forte supervision lors de la cueillette, l'égrenage et procédés de mise en balle. Les travailleurs doivent porter des tabliers et des foulards et ne doivent pas apporter de matières alimentaires telles que chocolat, paquets de nourriture ou autres dans les champs. Transport soigneux vers l'usine d'égrenage. Classer les fibres mortes, fibres colorées et fibres huileuses avant l'égrenage. Manipuler le coton avec précaution, loin de l'huile et de la graisse. Vérifier le bon état du plancher de l'usine d'égrenage. Déterminer le type de pollution lors de l'égrenage. Utiliser des machines de détection de contamination durant l'égrenage. Utiliser un équipement d'égrenage automatisé. Ne jamais entreposer le coton sur une surface mouillée. Éviter l'emballage en sac de jute de polypropylène. Utiliser du tissu à la place du polypropylène pour emballer. Évitez d'utiliser des sacs de polypropylène à tous les stades. Emballez avec des tissus de coton gris. Gardez le polypropylène loin du coton. Maintenir les revêtements de couleur et le coton endommagé loin du coton frais. Établir des mesures de garantie de la qualité dans tous les procédés. Les experts en coton soulignent que le coton africain cueilli à la main est très recherché car il garde la qualité intrinsèque de sa fibre, alors même qu'elle se détériore dans les procédés sophistiqués et mécanisés aux USA et en Australie. Si seulement la contamination pouvait être réduite ou même éliminée, le prix du coton africain récolté à la main pourrait alors supplanter celui du coton de même qualité récolté mécaniquement. Square Textiles est convaincu que la contamination peut être évitée par la sensibilisation et la capacité de suivi de ses employés, l'amélioration du système de suivi et de supervision de l'usine d'égrenage. People awareness in the farming stage, the farmers and the people who are engaged in picking cotton
should be aware about their use of fabrics, the hairs, even the use of polypropylene bag. Better, it is recommended to use cotton bag for collecting cotton from field to genie house. En Afrique, le coton est cultivé dans des petites exploitations familiales. Ainsi, des millions de familles d'agriculteurs sont directement impliquées dans la production et la transformation de coton. Par conséquent, si la pureté du coton brut est maintenue lors de la production de coton fibre propre, le coton cueilli à la main peut générer des profits supérieurs au coton récolté mécaniquement. Square Textiles propose un partenariat à long terme avec les cotonculteurs et égreneurs africains, puisqu'ils ont un intérêt et un enjeu commun. Enfin, il est nécessaire d'organiser régulièrement des visites de sensibilisation, des échanges de connaissances et partage de meilleures pratiques entre les producteurs de coton, les égreneurs et les filateurs. Cela permettra de développer une meilleure compréhension mutuelle, conduisant à des relations d'affaires sud-sud à long terme, bénéficiant à tous les acteurs. Le partenariat entre le Centre du commerce international et Square Textiles visant à soutenir les cotonculteurs africains est un grand pas, mais n'est toutefois qu'un début dans la bonne direction. Comme l'affirme le rapport 2011-2012 du BTMA, ou Association des usines textiles du Bangladesh, le Bangladesh tire plus de 78% de ses recettes d'exportation du textile. Et les produits dérivés du textile représentent une valeur d'environ 20,13 millions de dollars. Le secteur génère plus de 5 millions d'emplois et représente environ 12% du PIB. Obviously, it will be beneficial for the African genus or the farmers because that will command a higher premium price from the international market. Par conséquent, en se joignant à ce partenariat en coopération avec Square Textiles, l'industrie textile et cotonnière africaine sera à même de contribuer de façon significative à la création d'emplois, l'amélioration de la pauvreté rurale et, ce faisant, contribuer à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. The International Trade Center. Export impact for good.